Mélange le gingembre et l'huile d'olive et tu ne croiras pas ce que ce mélange peut provoquer dans ton corps. Si vous aimez prendre soin de votre santé, je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, abonnez-vous et pensez à la clochette de notification. Grâce à ça, vous recevrez toutes nos notifications avant tout le monde. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires pour que je vous souhaite personnellement la bienvenue dans cette famille. Habituellement, quand vous avez mal au genou, même aux articulations, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment améliorer la douleur d'une manière naturelle. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous présenterai pas une, mais deux recettes avec lesquelles vous pourrez soulager, voire même mettre fin à ces terribles douleurs de genoux et même aux articulations. Commençons donc immédiatement. Ce mélange de gingembre et d'huile d'olive pour arrêter la douleur aux genoux et même aux articulations est l'un des meilleurs remèdes que nous pouvons trouver grâce à la qualité de ses ingrédients. En effet, le gingembre est un puissant analgésique, anti-inflammatoire, diurétique. Parmi ses nombreux avantages, il aide à améliorer la circulation sanguine, à soulager les problèmes digestifs. Le gingembre se caractérise par ses propriétés régénératrices et même aphrodisiaques. Cette racine est également utilisée comme une épice dans certains repas, pour son goût épicé ou aussi pour son odeur délicieuse. Ceci a également été utilisé comme aromatisant depuis des siècles car cela contient pratiquement 17 minéraux et vitamines essentielles. Ceci est aussi une source d'huile essentielle de calcium, d'acides aminés, phosphore, vitamine B et C qui améliore le système immunitaire et est un très grand allié pour la lutte contre le cancer des ovaires. Du coup, ceci est un puissant expectorant en cas d'asthme ou même autre bronchite grippale, les maladies du système respiratoire. Oui, comme je disais, si vous voulez remplacer les analgésiques, ce mélange de gingembre et d'huile d'olive est une option idéale pour calmer la douleur. Avant de continuer, ce serait bien de partager ces informations avec vos contacts, la famille, les amis. Ils pourraient en avoir grand besoin. Sachez que ces recettes, grâce à leurs propriétés diurétiques, peuvent aider à éliminer l'excès de liquide dans les articulations, réduire de ce fait l'inflammation. Ceci est idéal pour l'estomac, pour les intestins. Le gingembre aide dans le traitement du VIH, les flatulences, les spasmes, l'indigestion, les infections alimentaires de l'estomac et même la dysenterie bactérienne. Une combinaison de gingembre et d'huile d'olive est aussi un remède indiqué pour redonner l'appétit et booster la convalescence après une maladie. Ingrédients de cette recette, vous aurez besoin de 150 g de gingembre frais. Il faut qu'il soit bien frais, c'est nécessaire. Une tasse d'huile d'olive, préparation. Bien laver le gingembre et laisser sécher pendant une heure. Mettez l'huile d'olive dans un bol. Après, coupez le gingembre et ajoutez le tout dans une casserole avec l'huile d'olive bien sûr. Mélangez bien le tout et faites cuire au four pendant à peu près 20 minutes à 150 degrés. Et ensuite, laissez poser votre préparation. Une fois que ça s'est refroidi, filtrez le tout avec une passoire pour enlever les résidus de gingembre. Puis, versez l'huile dans un bol et fermez bien pour stocker dans un endroit frais et sec. Ce qui lui permettra d'être utilisé pendant une longue période. Quand vous ressentirez la douleur, vous devriez donner un léger massage sur la zone tout en utilisant quelques gouttes de cette huile précieuse que vous venez de préparer. Vous pourrez également prendre chaque jour 2 à 3 gouttes d'huile pour prévenir d'autres douleurs articulaires. 2 à 3 gouttes, c'est suffisant, c'est parfait, d'accord? Donc, n'ayez pas peur que ce soit petit. Cette recette peut également être appliquée si vous avez mal au dos, aux muscles. Ceci améliore même la douleur de l'arthrite pour vous dire à quel point c'est puissant. Une autre recette facile que vous pouvez utiliser lorsque vous ressentez des douleurs est de faire un extrait de compresse d'arnica. L'arnica est naturellement fait pour être utilisé localement pour calmer la douleur et même l'inflammation qui affecte la santé du genou. Ceci contient des substances anti-inflammatoires qui vont détendre la région touchée et surtout accélérer le soulagement. Pour faire cela, nous avons besoin d'une tasse d'eau, 2 cuillères à soupe d'arnica, même 20 g de celui-ci pour la préparation. Une fois que c'est bien mélangé, portez le tout à ébullition pendant 5 minutes. Ensuite, éteignez, laissez couvrir. Laissez reposer pendant 10 minutes. Mode d'application. Prendre un chiffon propre ou même des lingettes propres. Tremper le tout dans l'infusion. Appliquer sur le genou et laisser agir pendant 10 minutes. Si nécessaire, répétez l'opération 2 fois par jour. Maintenant, vous connaissez ces recettes. Dites-moi quel a été votre préféré dans les commentaires. Vous savez à quel point vos avis sont importants pour moi. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir. Rappelez-vous aussi de partager ces informations et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.